Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, professionnels financiers, je vais aller zoomer au niveau de la situation professionnelle financière d'une personne et on va voir tout ce que je peux partager aujourd'hui avec vous. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien. Je tiens à vous remercier pour toute votre présence sur la chaîne, peu importe quelle qu'elle soit. Merci, merci, merci. Et on va découvrir donc le message que vous avez à recevoir aujourd'hui, vendredi 13. Je vous souhaite un merveilleux vendredi. Plein, plein, plein de jolies choses dans tout, dans tout, dans tout. Allez, je prends ce magnifique oracle. On y va avec celui-ci, professionnel, financier. Message carte, et après je partage mon écrit, l'écrit que vous avez à recevoir aujourd'hui. Bien sûr, c'est du général, vous faites bien preuve de discernement. Tous les messages ne pourront pas vous parler, c'est normal. Allez, c'est parti, on y va. Alors, professionnel financier aujourd'hui. Alors là, vous pouvez être peut-être enfermé. On vous recommande peut-être. Je peux avoir peut-être dans votre professionnel, dans votre cercle familial, peut-être qui vous ralentit, qui vous bloque, qui vous freine. Lié à votre professionnel. Donc là, enfin, je pense que vous faites déjà un repli sur vous et de vous concentrer, en fait, de faire un focus que sur votre professionnel et ce que vous voulez réaliser. Ouais, il va y avoir du changement. Beaucoup de changements. Vous mettez déjà à l'écart. C'est un enfermement positif, hein. On se met à l'écart pour changer sa vie, pour changer son professionnel, changer. Oui, changer, pour changer. Là, vous allez reprendre de la force, du courage. Ou alors vous en avez déjà, vous en récupérez encore plus. Cet enfermement, c'est positif, hein, ça vous apporte de la force et du courage, le repli sur vous-même aussi. Parce que peut-être qu'autour de vous, vos liens dans votre famille peuvent vous prendre beaucoup, beaucoup d'énergie aussi. Et là, faut récupérer de la force, de l'énergie. De toute façon, vous allez en avoir, vous allez le ressentir. C'est pour changer. Voilà, changer. Il va y avoir du changement aussi dans votre professionnel, dans votre financier. Oui, voyez, il y a quelque chose qui se réchauffe en vous, professionnel financier. Et après, par la suite, il va y avoir aussi quelque chose qui va se réchauffer dans un ou plusieurs liens dans votre famille. Il y a quelque chose après le changement, votre changement professionnel financier, il va y avoir des choses qui vont se. Un ou plusieurs liens en fait qui vont se réchauffer aussi. Je vois que vous allez avoir du changement, un gros coup de chance sur votre situation professionnelle financière. Vous pouvez être cette femme aux cheveux clairs. Si vous avez les cheveux foncés, ça peut vous parler aussi. Là, vous allez ressentir de la chaleur. Vous allez vous sentir extrêmement bien. Je vois une fin de toute la toxicité autour de vous, de votre projet professionnel, financier. Une fin de la toxicité, contrat, situation, événement, personne, c'est la fin. Vous pouvez avoir un commerce, une entreprise, une auto-entreprise. Il y a quelque chose qui se réchauffe lié à tout ça. Et je vois que votre entreprise, auto-entreprise, commerce va reprendre du feu. Du feu. Du poil de la bête.
Ça va se renforcer aussi. Ça va être une quelque chose commerce, entreprise, auto-entreprise solide. Sûr, solide. Avec beaucoup de force. C'est comme s'il y a quelque chose qui allait se renforcer sur votre projet professionnel financier. Ouais, là vous avez fait des prières, on vous demande prière, demande souhait selon vos croyances. Et vous allez avoir un gros coup de chance. Pour moi, vous demandez à avoir du changement, que quelque chose se réchauffe lié à un commerce, à un magasin, un commerce. Ça peut être aussi donc une entreprise, une auto-entreprise. Il y a quelque chose. On veut que plein de choses se réchauffent. Actuellement, enfin, je vois que vous souhaiteriez aussi qu'il y ait des choses qui. Vous êtes obligé de faire un repli sur vous-même, de vous écarter en fait un laps de temps aussi d'un ou plusieurs liens dans votre famille. Mais après ça, ça va être. Une fois qu'il y aura le changement qu'aura opéré sur votre situation professionnelle financière, naturellement, les choses vont se réchauffer aussi dans un ou plusieurs liens familiaux, pour moi, dans la famille. Donc, repli sur vous-même, c'est positif, ça vous redonne de la force, du courage. Là, il y a une ou plusieurs prières, demandes, souhaits qui se réalisent. Vous allez avoir un énorme coup de chance. Un changement, ça va être chaud. Et c'est financier et professionnel, hein. Donc, ce qui arrive sur votre situation, c'est positif et c'est très, très conséquent. J'ai la faim, hein? J'ai la faim. Donc, c'est revenu une deuxième fois. Donc, c'est vraiment la fin des situations, personnes, événements toxiques autour de vous dans votre professionnel. Ouais, qui ont causé la pagaille, hein. Soit sur commerce, entreprise, auto-entreprise. Affirmez-vous dans ce projet, affirmez-vous, d'accord? Là, il va y avoir une signature, soit d'un contrat, soit d'une rentrée financière, un contrat, il y a quelque chose qui signe, hein, et ça va vous apporter santé, bien-être, aussi dans le commerce, l'entreprise ou l'auto-entreprise. Ça va être très très passionnant, vous allez vous éclater, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se transforment au niveau du projet, au niveau du financier, au niveau de votre professionnel, et ça va vous apporter un épanouissement. Vous allez être épanoui, mais épanoui, là c'est... Ça va être considérable. Oh oui, regardez, vous vous élevez, hein. De tout. Vous vous élevez, vous allez signer. Ouais, il y a du soutien là, hein. Il y a de l'aide. Peut-être que vous n'en avez pas eu jusqu'à maintenant. Et là. Dans votre professionnel finance, enfin professionnel projet, là dans cette nouvelle lune, j'ai beaucoup beaucoup de communication, donc il y a beaucoup beaucoup de personnes qui arrivent vers vous sur le projet, dans le commerce, dans la boutique, et ça va, vous allez être extrêmement épanoui, hein. Il y a plein de choses qui vont vous faire plaisir. Ouh. Eh bien. Mon écrit. Alors, on parle d'un projet. Je vois un projet sur lequel vous êtes actuellement. Je vois une personne qui actuellement est sur un projet. Peut-être. Peut-être vous êtes arrêté sur ce projet. Alors, il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui est au ralenti, mais vraiment ralenti.
Je vois que ça va reprendre de la force. À l'intérieur même de votre projet, tout va reprendre de la force. Il y a de la force. Ce qui est à l'arrêt ou au ralenti, c'était aussi pour vous permettre de reprendre des forces. Vous allez... Voilà, votre projet va reprendre de la forme. Je vois que ce projet va se renforcer. Et par tout ce renforcement qu'il va y avoir à l'intérieur même de tout cela, donc déjà à l'intérieur de vous, mais aussi après ce qui va en dégager, hein. Plus vous êtes fort à l'intérieur de vous sur votre projet et plus après, en fait, vous allez émaner tout ça. Et en fait, tout ça, tout ce renforcement de votre projet va vous permettre de réussir très très vite. Très vite après quelque chose qui est à l'arrêt ou vraiment arrêté ou alors à l'arrêt ou qui bouge un tout petit peu, mais c'est pas énorme, hein. Donc il y a une réussite très très vite. J'ai une énorme réussite professionnelle et financière sur votre projet qui est actuellement à l'arrêt, hein, ou qui est au ralenti du ralenti. J'ai une réussite professionnelle et financière. Il y a vraiment quelque chose. Votre projet dégage quelque chose de d'énorme. Quelque chose d'énorme. Il y a de l'amour, il y a quelque chose d'énorme. Ce qui dégage. Mais peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais en fait, ce qui émane de ce projet, c'est énorme. De ce que j'ai là. Voilà, voilà tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui dans votre professionnel financier. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire, à mettre des pouces, à vous abonner, c'est gratuit. Je vous souhaite un merveilleux vendredi. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc., etc. À très bientôt. Belle journée!